Paris. Et 2 ans après, elle a pu se terminer. Elle sera diffusée prochainement sur la chaîne NRK en Norvège. Et vous avez l'exclusivité des 2 premiers épisodes. Je voudrais tout de suite saluer le jury dans la salle qui va assister à la projection. Notre grand jury, présidé par Martin Hobson. Alors, il n'y a pas que, parce que vous aussi, vous êtes le jury, vous pouvez voter, il y a un prix du public. N'oubliez pas que toutes les séries, quelles que soient les compétitions, sont éligibles au prix du public et nous remettrons tous ces prix samedi soir. J'ai appelé tout d'abord le chef opérateur, le director of photography Magnus Flato, le producer Sigurd Michael Carol Jussen, la metteuse en scène Erika Kalmeyer, director. Yeah. The actress Rebecca Nistabak, the director and scriptwriter Christopher Metcalfe, et Guy Yves-Jou, ainsi que Christopher Yves-Jou, l'acteur principal. Et tout le reste de l'équipe. And all the rest of the team, come please, all the rest of the team. Parler de la genèse du projet, je crois que c'est le résultat d'une longue amitié entre Christopher, l'acteur, et Christopher, ici le réalisateur, scénariste. Can you talk about what is at the origin of the project? I believe it's a long-standing friendship between the two Christophers. But last 4 years mostly, and now we're here. It happened. Yeah, it's. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, ça fait 13 ans qu'on pense à ce projet et qu'on y travaille, surtout ces 4 dernières années, et puis voilà le produit fini, on a fini par y arriver. Yeah, we have been working with the idea of an identity switch in many forms. It's been many things, but I think when we grew up and became an idea of a responsible family father, the click came, and especially when we discovered that it's the wife that kills the twin, that's when we have the second character, and that's really when the kind of the project started for real. Yes, and hopefully the audience are following our quest to make that credible, but I think it's the whole, I mean, this idea, you can push it in a different direction, especially in comedy, and we have to balance that. But, the whole project was about trying to make it believable, yeah, we have spent a lot of time finding the most easiest or felt like easiest way that this is the best solution for the two. Yeah. So it's completely confusing, and when we work with the with the scene, it was just like, I think the task was just to, okay, none of these things make sense, and what reality are we in? There is nothing that they say that fits with anything I know from before. So, yeah, it's like the silence you talked about, there is not much to say when you have no clue what they're talking about. So let the silence work. Oui, en fait, quand le policier arrive, elle ne sait pas vraiment, elle sait qu'Eric est sorti en bateau, elle sait que la dame est inconsciente, donc quand la police arrive et lui parle de cet accident, elle ne comprend pas très bien ce qui se passe, il y a beaucoup de confusion. Donc pour ce qui est de revenir sur le travail dans la scène, comme ce qu'elle voit n'a ni queue ni tête pour elle, qu'elle n'arrive pas à réconcilier ce qu'on lui annonce avec ce qu'elle sait de la situation, du coup je pense que le silence c'était la meilleure manière de faire transparaître cette confusion. Ok. Erik Moen, Roald Mandel, har vært involvert i alvorlig bilulykke. Han ble funnet nå for kort. Suddenly be in the character of his brother, and it's not intended, he just wants to get away, and it's just 1,000 thoughts of understanding that he thinks I'm Adam, and the irony of
standing up against the guy who set everything in action and made the start of the crisis.